Bonsoir tout le monde, très bienvenue à ma chaîne. Mon nom est Jenny. Je vais lire ce soir les tarots pour Philippa Machado, qui est née le 11 septembre 1999. Elle aimerait avoir des nouvelles et savoir sur son futur en amour et ou en argent. On va voir qu'est-ce qui sort dans les cartes aujourd'hui. Je vais jouer les cartes avec Steampunk, qui sont ces cartes-ci. Par la suite, je vais aller tirer les langues, qui sont celles-là. Et pour finaliser, je vais demander conseil ici aux cartes petites, les carrés. Donc, pour commencer, on va voir son passé, ensuite son présent et pour finaliser, son futur. Alors, je vais séparer mes cartes. Je vais jouer avec celle-ci. Et on va voir son passé maintenant. Son présent pour Philippa, présent de Philippa, et pour finaliser le futur de Philippa. Ok, bon, DDP. Ok, Philippa, ma chère Philippa, tu es sur ton centre, tu as été sur ton centre. Très équilibrée, une très bonne étudiante ou une très bonne travailleuse, excellente dans sa carrière. Je vois ça. Ensuite, je vois le 7 de pentacles. Tu es une femme très calculatrice qui sait épargner de l'argent, qui aime regarder l'argent, analyser l'argent, comptabiliser tout pour bien être. Se sentir bien économiquement. 9 de pentacles, tu es une personne qui est quand même qui a son épargne et puis qui aime avoir de belles robes, qui aime avoir une belle vie, des voyages et tout. Alors tu sais épargner ton argent. Ici. On voit que tu es une personne très réfléchie, tu ne laisses pas, tu t'emballes pas très facilement non plus. Et puis tu gardes ton argent ainsi que tes sentiments bien au fond de ton cœur. Enfermé à clé. Ok. Comme je te disais, l'argent et l'amour vont ensemble pour toi. C'est une avec l'autre et c'est continu. Tu as côté amour, tu espères trouver quelqu'un, tu espères trouver quelqu'un qui soit à ton niveau, qui a des belles qualités, qui pense aussi à l'argent comme toi, mais qui veut une famille aussi. Ok, on va voir ton présent, ça c'était ton passé, ton présent. Tu n'as pas trouvé amoureux, mais tu vois un ami à qui compter. Tu as quelqu'un à qui compter, qui est de bons jugements, qui a de bonnes paroles, qui est bon pour toi. Et je te recommande de compter beaucoup sur cet ami, mais peut-être tombe pas amoureuse tout de suite. Juste continue ta belle amitié avec cette personne-là. On voit ici que tu n'es pas quelqu'un de gêné, tu n'es pas quelqu'un de mystérieux, tu es très ouverte, tu es très ouverte à la vie, tu es très ouverte dans ton travail, dans tes études, et ça va t'amener de belles chances. Ici, on voit que tu aimerais aller en voyage, tu aimerais partir, mais pas toute seule, tu veux trouver une personne avec qui aller, c'est peut-être avec cet ami en question que tu vas y aller, ou tu aimerais y aller. Alors, on va voir qu'est-ce que le futur te réserve, parce que pour le moment, tu aimerais prendre une petite pause, une pause cocktail, une pause vacances, parce qu'il t'en faut une. On le voit dans ton visage. Il y a du nouveau pour toi. Peut-être que le voyage se fera et puis il y aura de belles conséquences là-dedans. Il y a un nouvel voyage qui s'amène, une nouvelle
un nouvel contrat qui s'amène, quelque chose de nouveau qui s'amène dans ta vie, probablement un contrat de travail, quelque chose de nouveau, une augmentation dans ton salaire, quelque chose comme ça, parce que je vois quelque chose qui commence de bien avec de la force, avec beaucoup de force, et quelque chose qui va durer. Les deux de pentacle, comme je dis, t'avances, tu vas trouver un peu de turbulence en ce moment, mais tu vas continuer à avancer. Tu peux pas t'arrêter parce que tu sais que tu es dans le bon chemin, parce que tu sais que tu prends des bonnes décisions et que l'argent est pour toi quelque chose de primordial, quelque chose que tu dois te battre pour l'avoir. Et tu vas pas lâcher, je t'aime comme ça, continue comme ça. Maintenant, dans le futur, il y a beaucoup de travail. Tu travailles beaucoup, tu travailles avec force et ça va être récompensé. Tout ce travail que tu as fait, ça, c'est pas qu'il te reste à faire, c'est ce que tu as déjà fait. Tu as monté les échelons, tu continues à travailler, tu es dans ta place, tu es où est-ce qu'il faut que tu sois. Et tant mieux pour toi, continue comme ça. Tu es une bonne travailleuse. Ok, maintenant tu vas être quelqu'un qui va protéger son argent, protéger ses biens, protéger parce que il y a tout le temps du monde des gens qui s'approchent de toi pour te faire des demandes ou pour te proposer quelque chose. Ne tombe pas dans les panneaux parce que garde ton argent parce que ça va te servir pour le futur. Et tombe pas dans les panneaux avec ces gens. Analyse bien à qui tu donnes ton argent. Analyse bien qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Analyse bien qui s'approche de toi parce que c'est pas tout le monde qui a tes bonnes intentions. Le magicien à la mer. Ok. Il peut y avoir une rencontre amoureuse par hasard, que tu rencontres quelqu'un. Qui n'est pas cet ami en question, mais quelqu'un de nouveau, qui va te donner beaucoup d'ouverture, beaucoup de belles choses, qui va peut-être ouvrir un, qui va ouvrir un intérêt sur toi et qui va t'aguicher. Ok, tu vas bien t'entendre avec cette personne, tu vas être en couple, on le voit ici, tu vas être en couple. Très rapidement parce que tu vas bien t'entendre et te mettre avec cette personne comme il faut, tu vas bien comme un puzzle, comme un casse-tête, tu vas bien t'accrocher avec cette personne, vous allez être l'un pour l'autre, vous allez vous aimer et vous allez être très heureux ensemble et je te le souhaite de tout cœur. Ici, on va voir que vous êtes amoureux, tu vas être une femme à la maison. Tu vas être une femme qui s'occupe de la maison et cette personne, elle va pouvoir compter sur toi quand il y a des jours de travail, quand il est fatigué. Tu vas pouvoir être là pour lui et prendre soin de lui parce que c'est ça qu'il le faut. Il faut prendre soin de lui et tu vas être cette femme. Tu vas te convertir de cette femme qui était une femme d'affaires, une femme d'argent. Tu vas te convertir à cette douce oiseau, colombe. D'amour et de prendre soin de l'autre. Ok, ma chère Philippa, je t'ai lu ta lecture jusqu'à maintenant. Je vais lire les langues parce qu'on va voir c'est quoi un bel conseil pour toi. Le 5, 1, 2, 4, 5. It's a beautiful crow, my heart desires, chance of a lifetime exploring. Comme elle dit cette carte, comme je l'ai lu dans les dates, et tu as une belle couronne que tu lâches pas, elle t'apporte de l'argent, elle t'apporte du succès, tu as tout ce que ton cœur désire, tu as la chance de ta vie, et tu vas explorer. C'est ça qui te réserve dans le futur, c'est ça qui est pour toi. Et comme dernier, je vais lire les cartes ici, les petits carrés. On va voir une phrase inspirationnelle pour toi qui peut t'aider dans toute cette tranche de vie. Alors, je vais aller avec la sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
more than exist. Fais plus qu'exister. Aie un peu dans ta vie. Aie un peu amoureux. Autant l'amour comme l'argent, les deux ont du poids. S'il vous plaît, essaye d'équilibrer tout ça. L'amour a aussi un poids. L'amour a aussi quelque chose qui t'apporte de la valeur. Ne le laisse pas de côté. L'argent compte, mais l'amour compte autant. Ok? Donc, do more than exist. Essaye d'avoir un sens à ton existence. Bon, j'espère que tu as aimé ta lecture. En mode de paiement, moi seulement je te demande de me donner un feedback de ta lecture. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que ça a résonné sur toi? Si c'est le cas, écris-le dans les commentaires ou écris-moi un message privé en me racontant qu'est-ce que tu as ressenti, si ça résonne avec toi. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir!